Ça je l'ai fait, sortir de l'eau, monter l'escalier, faire voler un éclat à la grille sur la main. Prendre un cristal, grimper. En haut, ramasser une recharge, tire le bloc avec les tuyaux. D'accord, donc en fait j'ai pas tiré le bloc avec les tuyaux qui est au-dessus. Putain, mais sans déconner. Et ça, faut se dire que c'est un truc qui est obligatoire, hein, pour finir le niveau. Putain de sa mère. C'est tirer un bloc de merde là, en hauteur. Je vois où c'est, hein. Je l'ai pas vu le bloc. C'est le pire, c'est que ce, voilà, la clé de maintenance, elle me gênait pas. Jusqu'à maintenant. Putain. J'ai fait deux tiers du niveau, je suis sûr. Enfin, voir les trois quarts. Hein. Je fais les trois quarts sans cet objet-là. Putain, c'est tendu. C'est vraiment tendu. Hein. Ah, merci pour le host, Ryder Tag. Merci pour le host. Ah putain, vas-y. Ah, ce niveau de l'enfer, quoi. Donc il fallait pousser une caisse dès le début, quoi. Pff. Je vais vous montrer où c'est. Hein. Enfin, je vois où c'est, quoi. En plus, j'y étais allé. Hein. J'y suis allé deux fois. Mais j'y suis pas retourné depuis parce que c'était au début du niveau, quoi. Je me disais pas que. Et faire un truc particulier pour aller de l'autre côté du guichet, donc ici en fait, pour aller ici. Alors en fait, il faut grimper. Ouais, c'est sûr. Ah putain, qu'est-ce que ça fait? Hop, faut grimper là. Putain, merde, je suis tombé. Putain, je suis plus lucide, hein, je vous le dis. Hein. La lucidité a quitté mon corps depuis un certain temps. Depuis les trois coffres. Non. Voilà. Ah merde, putain, si. Alors. Faudrait pousser cette caisse en fait. Putain, je l'ai pas vu. Je joue plusieurs heures d'affilée, il se passe rien. Mais du moment que ça a démarré. Ah, c'est la merde. Ça vient toutes les 30 minutes. Ouais. Ok, je vais aller où? Penny, donc là-bas. Ah putain, je vais avoir encore un tour gratuit, hein, de manège. Hein. Je vais encore avoir droit à un tour gratuit de manège. Heureusement que j'ai le raccourci qui est débloqué. Non, ça va. Ça joue de la dubstep quand tu tires, ça vient de Saints Row apparemment. D'accord. Mais même si ça vient de Saints Row, c'est quoi le délire et quoi? C'est pas Team 17 qui fait. Enfin maintenant. Ah, c'est peut-être les mêmes maintenant qui font les deux. J'en sais rien. En même temps, j'en sais rien. Bon, qu'est-ce qui m'attend là? Putain, mais regardez ça! C'est pas l'obscurité la plus totale, franchement. Putain. Heureusement que j'ai récupéré les torches, là. Vous voyez où le Penny? Il est où mon Penny, là? Par contre, je sais pas où faut le mettre, le Penny. Hein. Pour avoir un ticket. Qu'est-ce que c'est ça? Ah putain, j'ai allumé. Truc de ouf. Quelqu'un qui me charge des noises là? Ouais, une petite musique en général, il y a 50 adversaires qui arrivent. C'est peut-être ouverte la porte du dessus par contre. Hein. Maybe. Ah non, ah! Attends, mais d'où il sort ce truc? What the fuck? C'est ça qui a fait tomber. Non, mais franchement. Ce jeu est scandaleux. Franchement, je suis au bout du quai comme ça, par acquis de conscience, mais j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé. Il y a aussi la voiture de Rocket League. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est marrant. Putain, c'est bizarre. Mais c'est toujours Team 17 qui s'en occupe. Comment ils ont eu les droits de. Des autres trucs? C'est bizarre. Et attendez, concentration. Ok.
Fait que je réfléchisse 30 secondes où je veux aller après. Ah non, faut que j'achète un ticket. C'est où que j'achète un ticket? C'est ici? Non? C'est où que j'achète un ticket? Ah, vous voulez mettre le penny dans la machine? Ah, sa mère! Vous voulez mettre le penny dans la machine? Ah, franchement, j'en sais rien. C'est pas ça? Non? Ah, ce jeu, il me tue. Celui-là, il est éclairé, là. Non? À moins que la machine, c'était... Merde. C'était peut-être la machine qui était juste en face, je me suis cassé. Ah, putain. Il a mis des images tellement c'est la merde. Il y a des trucs, c'est tellement la merde, il a mis des images. Ah, attendez, j'ai cherché le mot-clé ticket. Bah, il dit la salle des distributeurs, c'est pas ici. Enfin, moi j'aurais pensé que c'était là. Ah, ah putain, je peux! Putain, mais sérieusement, il y a une machine qui te permet d'en avoir un. Oh, elle va te faire foutre le... Sans déconner, mais sans déconner, mais... Non, mais ce passage est abusé. Ce passage est clairement abusé. Parce que tu peux être bloqué pour rien. Mais vraiment. Je suis désolé, mais c'est la première fois que je dis ça dans un Tomb Raider, mais c'est vraiment mal fait. C'est-à-dire que d'habitude, c'est très bien fait, c'est bien maîtrisé tout. Là, il n'y a pas de maîtrise. C'est vraiment de la merde. L'histoire du ticket, c'est vraiment de la merde. Déjà, même là, j'aurais pu être bloqué avec mon penny dans la main comme un con. Parce que je sais pas où faut le mettre. J'aurais essayé hein, sur les machines là mais est-ce que j'aurais eu la foi d'essayer les deux côtés à chaque fois de chaque machine? Je suis pas sûr. Ça aurait dû marcher dans chaque machine déjà. Je veux dire, pourquoi dans une unique? Voilà. Ce genre de petits détails de merde qui te fout en l'air une run, quoi. Enfin, qui te fout en l'air un jeu, quoi. Et l'intérêt du jeu, quoi. Putain, la vache. Aïe, 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 aïe. Un penny à la main. Avec un penny à la main. N'essayez pas de déformer mes phrases. Il n'y a aucun double sens là-dedans. Ah merde, je voulais pas l'accrocher. C'est pas grave. Tac. On y est. On y est, on y est, on y est. Casse-toi, Laura. Oh putain, j'ai senti. C'est vrai que j'ai eu Zizi. C'est un petit peu too much pour Laura. Bon, j'ai tout là ou pas là? C'est bon? J'ai mon ticket, mon passe Navigo. Tiens, l'autre, tiens. T'es à prendre. Hop là. Il meurt là. Il est pas mort ce con. Il meurt. Je peux être vers la fin du niveau en plus là. Ok. Pourquoi il y a un feu de camp dans le guichet? Oh putain. Volonté. C'est mort. On peut le sauter ça? Non, on peut pas. Mur invisible, d'accord. Parce que Lara elle fraude pas en fait. Elle tue des gens mais elle fraude pas par contre. C'est quand même pas une sale race. Elle frotte pas la RATP. Heureusement qu'on se tape le popotin de Lara durant le périple, oui, c'est sûr. Ouais. Et de temps en temps, une paire de nichons quand ça zoome sur le vent. Ah putain, je veux un cristal, hein, je te le dis. Hein. Il y en a 9 dans ce niveau. Je les ai pas tous trouvés.
C'est une bonne stratégie de sauter là. Ça paraît être une bonne stratégie. C'est pas ça. Je peux l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir ça? C'est quoi ce truc? C'est bizarre quand même ce truc là. Hein. Ah! Le maillet? Oui! Quoi? Ah non, en fait, non, je sais pas. En fait, je sais pas. Donc, ok. Pourquoi pas? Si ça marche, je m'en fous. Je me pose plus de questions là. Hein. Je mets le maillet dans une porte, ça marche, ok. C'était une porte. Porte secrète des Illuminati, y'a pas de problème. Avant de descendre, je pourrais quand même vérifier en haut. Y'a rien. Rien de neuf. Hein. C'est des punks appartenant au métro. En fait, c'est peut-être. Je suis en train de me demander si c'est pas les agents de sécu en fait. Les agents de sécu du métro. Casse-toi. J'ai pas que ça à faire. Je suis un petit peu séché comme. Ah, ça a raccourci. J'arrive là. J'ai légèrement séché quand même. Ah, c'est vrai que ça m'énerve. Quoi. Maintenant je sèche les adversaires. Quoi. J'en laisse aucune chance. Je sais pas si ça ressemble à une embrouille ça. Je vais sauter. Oh putain. Putain mais. Il est sauté à la gorge, je veux dire. C'est un survitaminé. Il y a un monsieur qui fait un feu de camp là. Bonjour monsieur. Il le range pas. Peut-être que je suis en train de tuer des SDF en fait, qui défendent leur territoire. En même temps il arrive avec des armes avec deux guns. En mode agressif. Oui, un petit cristal. Non, on va pas dans le feu. Vers le feu! C'est dur là. Oh, putain, faut que je recommence tout. Merci Saster pour le host de qualité. Salut Seb, salut Pneumonie. Ah merde, qu'est-ce que je fais là? Je me gourde. Non, je me gourde pas de bouton, c'est juste Lara qui fait n'importe quoi. On peut aller là. D'accord. Donc c'est la suite de Londres. Hein. Je m'en suis pris plein la gueule d'ailleurs, à Londres. D'accord, c'est pas fini. Je croyais que j'étais vers la fin du métro, j'ai l'impression que c'est pas fini. Mais je pense que je touche au but. Après, tu peux augmenter le son pour moi. Ouais, Ross Astor. Ouais, ça va aller. C'est histoire que vous ayez pas trop l'écho, quand même. Mais du coup, je me suis quand même rapproché de vite fait de mon micro. Parce que c'était pas. Des fois, c'était pas terrible. Le problème avec la PS3, c'est que les jeux sont hyper forts. C'est quoi cette zone alors? Putain, la caméra! Ça, c'est l'autre passage, ça. Quoi? Ah, je sais pas, je saute. J'ai vu que ça tremblait. J'ai sauté direct. Attends, je suis où là?
Merde. Je suis déjà paumé. Salut Shonk. Je suis déjà paumé en faisant 10 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette partie là? En plus, j'ai pas sauvegardé donc. Je viens de récupérer un cristal, mais je me disais que j'étais à la fin donc je voulais pas trop sauvegarder. Je sens que je vais le faire. Allez Lara, tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Wouah, c'est encore un labyrinthe, sérieusement? Et il y a un objet dans la pente? N'importe quoi. Quoi? Putain, le con, il me fait peur, ce con. Où tu vas, trou du cul? Je sais que t'es derrière. T'es à peine cramé. Je sais que t'existes derrière. Ah d'accord, il allait chercher un poteau, d'accord. Le gangbang. Tentative de gangbang. Ah, mais c'est quoi encore cette zone labyrinthique? Pff, du coup, je vais faire une sauvegarde. Je me disais, je vais réussir à garder mon deuxième cristal. Mais si ça continue comme ça, ouais, je vais faire une sauvegarde là parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Puis ce sera pas cool pour vous parce que c'est assez long. Ah, y a plein de boutons. Pff, ok, bon, c'est pas fini quoi. Ok, faire une petite sauvegarde. Voilà, sauvegarde de la sécurité. Merci Mars pour le auto-host. Salut Ako, ça roule? On est là pour les bonnes ambiances de Tomb Raider 3. Tous réunis. Tous des adeptes du cuir et moustache. Hein, je vous connais, bande de petits coquins. Rien ici. J'ai quand même récupéré une roquette, ça c'est cool. D'accord. Ouais. En fait, je suis en train d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées jusque-là. Ok, un passage ici. Il y a un petit con là, c'est ça? Ah non, c'est une. T'as allumé ça, hein? Putain, le jeu de l'obscurité, quoi. Y'a rien ici. Je voudrais retourner où j'étais au début. Parce que je suis en train de me dire que j'ai couru. J'ai cru entendre un bruit et l'écran se tremblait, donc je me suis cassé direct, hein. Je voulais pas me prendre une boule d'Indiana Jones sans avoir sauvegardé. La stratégie du lâche. Merci de live, je m'emmerdais. De rien. Il y a déjà trop de gens ici. Ah ça y est, pneumonie, il peut pas gérer là. On est pratiquement une dizaine là, il peut plus gérer, ça y est. Déjà qu'il doit me gérer moi. Non, là il est dans la merde. Alors, du coup ça a ouvert ça. Il y a quoi là-dedans? Je reviens au même endroit, c'est ça? Et pas de boule. Je suis dans un métro. En fait, je suis dans un métro. Mais c'est le même. Bizarre. D'accord. Y'a rien là. Ah, il est possible que je rate des objets, donc n'hésitez pas à me le dire. Par contre, est-ce que le stream ça va? Non, le stream ça va pas. Je vais vous éclairer tout ça. Voilà. Ce sera légèrement mieux. Parce que le jeu est plus que obscur. Hein. Ah, attends, ça s'est refermé. Ah, c'est de la merde. Ça s'est refermé ça. Si j'appuie dessus, c'est parce que. Ah, c'est ça qui a fait du bruit, d'accord. Hop, tac. Putain, mais la porte, elle est en quoi? Elle est en. What? Je suis retourné au début. D'accord, je suis retourné là. Du coup, niveau stratégique,
Ça s'est fermé, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Mais comment ça marche? Je comprends rien. C'est parfait, je comprends rien du tout. C'est parfait. Je suis revenu au début. What? Je deviens mainstream, c'est ça. Merci pour le host, Seb. Je deviens mainstream. Ah bah attends, avec Tomb Raider 3, ouais. Tous les sadomasos ils viennent. Et tous les curieux ils viennent. Voir quelqu'un se faire lapider sur place. Je comprends rien. Comment je redéclenche ça, moi? Ça, c'était un raccourci, d'accord. J'ai ouvert une porte quelque part dans le niveau. J'ai ouvert une porte. Les bonnes ambiances. Je sais pas quelle porte c'est. Celle-là, je l'avais déjà ouverte. Pourquoi elle est fermée? Oh là 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 là. Moi qui croyais être à la fin du métro. Normalement, tout ça là, là, je reviens en arrière. Normalement, il n'y a pas de raison que je retourne en arrière. On va rester ici, on va refouiller un petit coup. Et si on trouve vraiment rien, on va revenir par le raccourci que j'ai ouvert plus tôt, c'est-à-dire par ici. Très bizarre. Très très bizarre. Jusque-là, je voyais à peu près où j'en étais. Je voyais à peu près où j'allais. C'est pas ça que j'ai fait avancer, non? C'est pas lui? Non, il a pas bougé. Ici, normalement, il n'y a rien. Nous sommes aux portes de la gloire. Va-t-il ouvrir en finissant Terre 3? Non, non, non! Chocal, il est chaud là. Non, non, Chocal, calme-toi. Pas pour tout de suite. Déjà, finir ce niveau de l'enfer, déjà. Ce serait une bonne news. Ce serait une excellente news. Parce que c'est, je pense que c'est le pire niveau du jeu. Franchement, là, depuis le début. C'est le pire niveau jusqu'à présent. Franchement. J'ai fait 4 niveaux dans la jungle. J'ai fait 4 niveaux au niveau du Pacifique. J'ai fait 3 ou 4 niveaux au niveau du Nevada. Je crois que c'est 4 à chaque fois. J'ai dû en faire 4 aussi. Et j'ai fait ça, c'est le deuxième niveau de Londres. Ça promet, hein. Ça promet grave. Mais jusqu'à présent, c'est la palme d'or du what the fuck. Hein. Bon, il n'y a rien par ici. Donc c'est mort. Putain, je comprends pas. Je vais refouiller un petit coup là. C'est hallucinant ce niveau. Allez, allez Lara, s'il te plaît. Merci. Non, ça dépend de Nevada, en fait. Il y a quelques sauts un peu chauds, un peu showtime. Mais sinon, franchement, ça va. Le Nevada, il m'a juste énervé au niveau de la zone 51. Avec le train électrique, oh putain, le train dans le Nevada. Oh. C'est un cauchemar, j'arrêtais pas de m'électrocuter, c'est one shot. Salut Wolf, comment ça va? Y a du beau monde ce soir. Ouais, bah alors là, je suis un peu bloqué. Donc j'ai ouvert une porte apparemment, faut que j'y aille parce que là je peux plus retourner en arrière. Je suppose que c'était un trigger. Je suis un petit peu coincé là. De toute façon, j'ai fait une sauvegarde dans le pire des cas, mais. C'est très bizarre. J'espère que je me suis pas softlocké. Parce que là, je peux plus redéclencher l'entrée dans le train. C'est bizarre. Bon, bah c'est parti, hein. Ici, normalement il n'y a rien, il y a la maintenance, mais ça je l'ai fait, j'ai allumé.
quand on est ici. Attends, on va rester par là. On va essayer de rester sur les quais. Putain, c'était limite. Des chips. Tu veux des chips? Pour l'instant, les seules choses que je te vois ouvrir, c'est ses propres veines. Attends, faut checker. Faut checker là. Cette porte-là, de toute façon, on s'en fout. Ça, c'est déjà fait. Il y avait cette porte-là qui est toujours fermée. Attendez, j'ai rechargé, c'est trop bizarre. Attendez, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment très très bizarre. Je vais checker un petit coup, mais je vais recharger, je pense. Je pense que j'ai bien fait de sauvegarder. Quand il y avait tous les passages ouverts là, parce que là, j'ai l'impression que je me suis softlocké le niveau. C'est gratuit. Je kiffe. Softlock de qualité. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? On va aller sur l'autre quai. Mais t'es encore toute nue quoi? Faut renouveler ton passe Navigo, c'est ça? Putain, j'en ai chié d'ailleurs pour avoir le ticket là. Il faut avoir un ticket dans le jeu au bout d'un moment. Mais c'est. Franchement, je crois que c'est la pire idée du jeu. Genre, faut réussir à avoir un ticket en faisant. En fait, en gros, faut récupérer une clé de maintenance en bougeant un bloc. Mais, genre, le bloc, il est là dès le début, mais tu peux le rater. C'est vraiment un bloc qui est caché dans un endroit. En général, c'est un secret quand c'est caché comme ça. Non, non, c'était la suite du niveau. What the fuck? Et du coup, si tu trouves pas ce bloc-là à pousser dans le bon sens, tu trouves pas la suite pour récupérer une clé de maintenance qui te permet d'allumer une station et qui te permet après d'une machine à faire tomber un penny. N'importe quoi. Hein. Genre, j'aurais jamais pensé que ça ferait ça. Enfin, en gros, au bout de la station, si t'y vas pas, tu trouves pas la petite pièce en 3D là sur le sol dégueulasse. Tu la trouves pas, tu sais pas où c'est. Franchement, et donc après tu récupères le penny et tu vas mettre ça dans une des quatre machines. Il y a deux côtés sur chaque machine à guichet. Déjà, faut le savoir ça. Il n'y en a qu'une seule qui marche sur les 8. Bonne ambiance, hein. C'est vrai que si tu sais pas que tu dois aller chercher un ticket, t'es baisé déjà. Si tu sais pas que ça c'est un guichet qui te donne des tickets, t'es baisé aussi. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment une énigme de merde. Mais alors vraiment à chier quoi. Ah, c'était la fin du niveau? Bah ouais, c'était la fin du niveau, les sauvegarder pour rien. Voilà. Alors comme ça, vous en voulez à Miss Legg? C'est purement professionnel. Pourtant, d'après ce que je vois, elle ne semble pas vous avoir défiguré. Pourquoi? C'est votre cas? Et pourquoi je porte ce masque, selon vous? Je n'ai plus de visage, bon sang! Je suis venu à Londres et j'ai trouvé un travail tranquille, assistant de laboratoire pour la société de cosmétiques de Miss Legg. Pas d'expérience requise et un bon salaire. Mais finalement, je me retrouve enfermé dans un caisson pendant des jours, noyé dans un liquide putride. Et quand nous sommes sortis, parce que j'étais loin d'être le seul, nous n'avions plus de visage, plus de chair. Et après, on nous a simplement balancés dans les égouts, laissés pour mort. Une expérience qui a mal tourné. C'est ça, un simple cobaye. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai voulu en finir, j'ai découvert qu'il m'était impossible de mourir. Alors, Legg ne se sert pas seulement du météore pour créer des produits de beauté, mais aussi pour inventer un fluide d'immortalité?
Exactement, la beauté éternelle. Mais visiblement, ce n'est pas encore au point. Elle a quand même gardé les meilleurs résultats pour elle-même. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez contre l'Aigle, mais je veux vous aider. En échange d'une petite faveur. D'accord. Que voulez-vous ? Une fiole de ce produit pour préserver les momies. Le fluide qu'ils utilisent au musée d'histoire naturelle. Du liquide pour embaumer ? Oui, pour la viande pourrissante, il n'y a pas mieux. Le musée est plutôt intéressant à ce qu'on m'a dit. Vous allez apprécier. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même ? Une des égyptiennes du musée est, paraît-il, très vexée. Elle trouve son passeport pour l'éternité moins prestigieux que le nôtre. Je n'ai pas envie de m'aventurer là-bas pour qu'elle me lance une de ses malédictions. J'ai déjà assez donné comme ça. Mais tout ira bien, petite. Vous, vous mourrez facilement. J'espère pas. Enfin, ce niveau de l'enfer est fini. En fait, j'ai sauvegardé à 10 cm de la fin. Je le sentais que c'était la fin. C'est un mec qui fait du voodoo dans le métro ou quoi? Non, en fait, tu te fais agresser par des skinheads londoniens, là, avec des capuches et tout. Je comprenais pas pourquoi ils étaient un petit peu bizarres. Enfin, ils étaient un peu verdâtres, un peu chelous. En fait, non, c'est des zombies. C'est ça, c'est juste l'administration française, les 12 travaux d'Astérix. 700 balles pour... Ouais, mais alors attendez, des fois je tire comme ça pour m'éclairer. Hein. Mais oui, c'est ça le principe. 700 balles pour 25 victimes. Il y a des victimes, j'ai continué à tirer sur le cadavre. Hein. Je... le niveau d'énervement de ce niveau. Ouais, 2 heures, pratiquement 2 heures pour le finir. Hein. Le nombre d'allers-retours que j'ai dû taper. Pour vous donner une idée, normalement en moyenne c'est 1 heure voire 1 heure et demie un bon niveau costaud. 2 heures c'est beaucoup. Hein.